Tout le monde connaît le Baal Shem Tov. Parmi les nombreuses histoires que l'on raconte sur lui, il y a une qui m'a particulièrement troublé. Lorsque le Baal Shem Tov était sur le point de quitter ce monde, ses élèves, ses nombreux élèves qui formaient ce qu'on appelle la Chevraïa Kadisha, l'Assemblée Sainte, autour du Baal Shem Tov, se sont rendus autour de son lit. Et le Baal Shem Tov les a appelés un par un. Et à chacun, il a dicté quelle serait sa future mission sur Terre. À l'un, il dit « Tu seras rabbin de telle ville ». À l'autre, il dit « Toi, tu t'occuperas d'enseigner la Torah aux enfants », etc., etc. Et chaque élève est passé devant son maître et a reçu ses injonctions pour sa vie à venir. Lorsque tous les élèves sont passés, le Baal Shem Tov appelle son mécharet, son serviteur fidèle, Yaakov. Il lui dit « Approche, Yaakov. Toi, je vais aussi te dire ce que tu vas faire de ta vie après que je sois parti. Eh bien, toi, ton rôle sera de raconter les histoires que tu as vécues chez moi ici durant toutes ces années, tout ce que tu as vu et entendu. Tu le raconteras, tu voyageras parmi la Russie et de village en village, tu raconteras mes histoires et les gens te donneront des pièces et tu auras ta subsistance grâce aux histoires que tu raconteras. » Et donc, le Baal Shem Tov bénit tous ses élèves. Et lorsqu'il quitta ce monde, chacun prit son chemin. Et Yaakov est monté sur sa calèche et s'est mis à parcourir le pays de village en village. « Bonjour, je suis le serviteur du Baal Shem Tov Akadosh. J'ai de merveilleuses histoires. » Et il se mit à raconter des histoires. Les gens émerveillés entendaient les histoires du Baal Shem Tov. Par contre, en ce qui concerne les fameuses pièces qui pourraient le faire vivre, c'était pas trop ça. Une pièce par-ci, une pièce par-là. Ce qui fait que Yaakov n'arrivait pas à assumer. Il n'arrivait pas à survivre, à subsister comme il se doit. Et donc, il restait très pauvre. Les années passèrent. Et Yaakov est toujours en chemin avec sa femme, de village en village. Un jour qu'il arrive dans une contrée, les gens lui racontent que ici habite un juif très riche et il invite tous les pauvres de la région à venir manger à sa table le jour du Shabbat. Et ce qu'il y a de curieux, c'est que cet homme-là propose une pièce d'or à chaque histoire qu'il entendra du Baal Shem Tov. Et là, Yaakov saute de joie. Merci Hachem, merci Hachem, j'ai enfin trouvé mon homme. C'est lui que le Baal Shem Tov m'avait destiné de rencontrer enfin chaque histoire, une pièce d'or. Et là, il se rendit chez cet homme-là, il s'annonça. Et l'homme a dit, c'est extraordinaire, mais tu dois connaître donc énormément d'histoires sur le Baal Shem Tov. Il dit, mais bien sûr, j'en connais plein. Il dit, alors tu vas nous raconter ça à la table de Shabbat. Arrive le vendredi soir, tout le monde se place à table. Tous les pauvres sont arrivés, et le maître de maison aussi. Et là, il me dit, Yaakov, je vous présente Yaakov, le serviteur du Baal Shem Tov. Il va nous raconter des histoires sur le Baal Shem Tov à Kadosh. Je t'en prie, Yaakov. Et Yaakov se lève. Et là, c'est le blackout. Comme si sa mémoire avait été effacée totalement. Il creuse, il creuse, il cherche, il ne se souvient d'absolument rien. Et là, il est consterné. Il dit, je ne me rappelle plus de rien. Et là, les pauvres qui sont assis à table, on commence à entendre des voix qui sortent. Charlatan, menteur, ah, tu voulais des pièces, tu voulais de l'argent. Et là, le maître de maison se lève et calme tout le monde et leur dit, je vous en prie, messieurs, gardez votre calme, il doit être fatigué, c'est le chemin, c'est le voyage. On va passer une bonne nuit, reste dormir ici. Et demain, peut-être que ta mémoire sera revenue, tu pourras nous raconter. Et là, la nuit passe, Yaakov se met à pleurer tout seul dans sa chambre. Il pleure, pourquoi Hachem tu me fais ça? Pourquoi au moment où je peux enfin recevoir de quoi faire nourrir ma famille avec toutes ces histoires que je sais, tu m'effaces tout. Je ne me rappelle plus de rien. Et il pleure, il implore Hachem.
mais rien n'y fait. Le lendemain à table, toujours rien. Et le maître de maison nous dit peut-être alors, pour la Seuda Shlichit ? Toujours rien. Consterné. Motsé Shabbat arrive. Il veut partir, il veut s'en aller. Et le maître de maison lui dit, attends, écoute, passe encore la nuit, la dernière nuit. Demain matin, si tu ne te rappelles toujours de rien, je te laisserai partir, Béchalom. Le samedi soir passe, dimanche matin, l'homme ne se rappelle plus de rien, toujours. Et il veut s'en aller honteux, il monte dans sa carriole. Et au moment où il monte, il s'apprête à partir, flash. Il redescend, il court vers la demeure, et il appelle le maître. Je me rappelle d'une histoire, je me rappelle. Tout de suite, le maître s'installe avec lui à table et lui dit, vas-y, Yaakov, de quoi te rappelles-tu ? Et là, Yaakov raconte qu'un jour, comme à son habitude, le Baal Shem Tov décida de faire un voyage. Il ne dit pas où il va, il nomme quelques élèves parmi tous ses élèves. Il les fait monter avec lui dans la calèche. Et j'étais parmi les 5 élèves qui devaient voyager cette nuit-là avec le Baal Shem Tov pour une destination inconnue. Et là, comme à son habitude, Yvan, le cocher, fouette les chevaux partent au galop et Yvan s'endort. Lâche les rênes et les chevaux filent à toute allure comme si ils connaissaient déjà l'adresse de destination. Et toute la nuit, le Baal Shem Tov reste impassible dans la calèche et la vitesse à laquelle les chevaux parcourent la terre est incroyable et surnaturelle. Au matin, les chevaux s'arrêtent devant une maison dans une ville à côté de la place de la ville. Yvan reprend ses esprits, reprend les rênes. Oh ! Et là, le Baal Shem Tov descend. La maison vers laquelle il arrive se tient là-bas, une vieille dame qui commence à crier, à l'injurier. Et le Baal Shem Tov ne fait aucun cas d'elle, monte les marches qui mènent à la porte d'entrée, rentre dans la maison, nous entrons avec lui, et la vieille dame se tait. Elle ne dit plus un mot. Le Baal Shem Tov s'installe à table, à côté de la fenêtre, et il regarde par la fenêtre. Mais qu'est-ce qu'il se passe donc sur la place ? Les gens sont en train de construire une estrade avec du bois, et ça cogne, et ça prépare, et le monde commence à affluer. Le monde. Tout le monde s'est rassemblé pour entendre un discours. Et là, un homme descend d'une calèche, avec son habit de soutane, un curé, il semblerait. Un curé qui s'apprête à faire un discours. Et là, le Baal Shem Tov m'appelle, raconte Yaakov. Il me dit, Yaakov, tu sors de la maison, tu vas voir cet homme-là, ce curé, et tu lui glisses à l'oreille que je suis dans la maison et que je désire lui parler tout de suite. Et donc, je sors de la maison. Je traverse la foule qui me regarde d'une manière haineuse. Moi, habillé en juif, avec mes péotes, ma barbe, ma kippa. J'arrive devant ce curé et je lui glisse à l'oreille. Il y a le Baal Shem Tov dans cette maison. Il demande à vous parler. Et là, je vois le curé tressaillir, être bouleversé et me dit, mais écoutez, dites-lui que dès que j'aurai fini mon discours, je viendrai tout de suite le rejoindre dans cette maison. Et là, je fais le chemin inverse et je retourne dans la maison et je raconte au Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov me dit, tu retournes voir cet homme et tu lui dis que je désire le voir immédiatement. C'est ce que je fais, j'y vais. Et lorsque je lui dis ce message, là, il n'y tient plus. Et il annonce à ses chers confrères, messieurs, mes chers adeptes, veuillez m'attendre quelques minutes, je dois absolument parler à quelqu'un. Et il me suit et je traverse la foule et le curé derrière moi. Nous entrons dans la maison, le Baal Shem Tov se lève. Il ouvre une pièce dans la maison et il rentre, lui et le curé, à l'intérieur durant au moins une bonne demi-heure. Et au bout d'une demi-heure, il sort et il nous dit, c'est fini. Nous pouvons partir. Nous sommes montés dans la carriole et nous sommes partis. Et le maître de maison qui écoute l'histoire de Yaakov, avec les larmes aux yeux, il lui dit, et qu'est-ce que tu sais d'autre de cette histoire ?
Et là, Yaakov dit, je ne sais absolument rien d'autre. C'est tout ce que je me rappelle de toutes les histoires que j'ai entendues. Et l'homme se met à pleurer. Et Yaakov lui dit, mais qu'est-ce que vous avez? Et l'homme lui répond, je pleure parce que l'histoire que tu me racontes, c'est mon histoire. J'étais ce curé. Et là, l'homme raconte à Yaakov qu'il était enfant, il ne le savait pas lui-même, il a été adopté par des curés qui l'ont élevé dans un monastère, dans un couvent. Et ils se sont aperçus que cet homme-là, cet enfant, était surdoué, était un génie, il retenait tout, il comprenait vite. Et ils ont su qu'ils allaient pouvoir en faire une arme formidable pour exacerber la haine des paysans russes envers les juifs. Et donc, cet enfant, devenu jeune homme, devenu curé, se mit à faire des prêches, des discours qui enflammaient de haine le cœur de tous les paysans qui l'entendaient. Et ça se terminait par des pogroms sanglants contre les communautés juives de chaque ville. Et l'homme raconte, et ce discours que je devais prononcer ce jour-là sur la place du marché était un discours que j'avais préparé depuis longtemps. J'avais la haine des juifs. C'est comme ça qu'on m'a éduqué. C'est comme ça que j'ai grandi. Et 3 jours avant mon discours, je fais un rêve très étrange. Et dans ce rêve, raconte l'homme, je vois un homme qui s'approche vers moi et qui me dit, je suis le Baal Shem Tov. Sache que tu es juif et que tu dois revenir sur le chemin de tes ancêtres. Abandonne ce chemin dans lequel tu es à présent. La première nuit, je me suis réveillé, je n'y ai pas prêté attention. Mais lorsque le rêve s'est reproduit, la deuxième nuit, puis la troisième nuit, là j'ai compris que c'était sérieux. Et lorsque je m'apprêtais à monter sur l'estrade pour faire mon discours et que tu es arrivé pour me dire que le Baal Shem Tov m'attendait, les forces du mal qui s'étaient emparées de moi, ont commencé à se briser. Mais pas au point que j'accepte de te suivre tout de suite. Il a fallu que le Baal Shem Tov te renvoie une deuxième fois. Et lorsqu'il a dit immédiatement, tout s'est brisé en moi. Toutes les résistances sont tombées et je t'ai suivi. Et quand je suis rentré dans la pièce avec le Baal Shem Tov, j'ai reconnu l'homme qui venait me voir en rêve. Je me suis jeté à ses genoux en pleurant. Mais comment je vais faire? Je veux revenir vers la foi de mes pères, mais j'ai du sang sur les mains. Combien de juifs sont morts par ma faute? Comment je vais pouvoir me faire pardonner? Et là, le Baal Shem Tov me regarde et me dit, voilà ce que tu vas faire. Tu vas t'enfuir, tu vas prendre la fortune, car tu as de la fortune. Tu prendras tout ce que tu peux avec toi, tu t'enfuiras loin d'ici. Et là-bas, dans ce nouvel endroit, tu t'établiras et tu te mettras à vivre comme un juif. Tu feras tchouva et tu vivras comme un bon juif. Et à la question, comment tu sauras qu'Hachem t'a pardonné pour tout le mal que tu as fait, malgré toi? Alors la réponse est que si un jour un homme viendra te voir et te racontera ta propre histoire, là tu sauras qu'Hachem t'a pardonné. Et maintenant je comprends pourquoi tu ne te rappelles que de cette histoire, que de la mienne. J'attendais depuis des années ce moment-là et je pleurais en silence. Quand Hachem me montrera ce signe, tu es mon signe, tu es le signe qu'Hachem m'a pardonné. Et toutes les histoires que j'ai entendues, qui n'étaient pas la mienne, je te les donne en échange une pièce d'or pour chacune de ces histoires. Et il lui livra des centaines de pièces d'or. Et Yaakov se retrouva riche, à l'abri du besoin jusqu'à la fin de ses jours. Voilà.